Buenos días, mi gente. Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va, ni plus ni moins. J'ai l'air un peu moins morte qu'hier parce que je me suis vite fait maquiller le teint, donc j'ai un peu plus de couleur. Aujourd'hui nous sommes vendredi 2 décembre, donc on va commencer la journée par ouvrir mon petit calendrier et ensuite on va se mettre au taf parce que j'ai plein de trucs à faire. Faut que je parte de mon appart à 17h et j'ai full truc à faire. Faut que je monte la vidéo d'aujourd'hui, enfin en tout cas que vous voyez vendredi. Là cette vidéo vous la voyez lundi, donc j'espère que vous avez kiffé le vlog de Fuerte. J'ai hâte de voir vos retours. On ouvre le calendrier, je vous montre ma tenue et on se casse. J'ai trouvé la petite case et on a une miniature shampoing micellaire à l'extrait de lavande. Très contente, j'aime beaucoup la lavande. Je devais prendre un petit format de shampoing pour le week-end. J'en ai déjà un à la maison, mais finalement je prends celui-là, donc c'est parfait. Faites pas attention au bordel derrière, faut que je range tout avant de partir. Faut vraiment que je fasse un petit rangement de printemps avant de partir pour que quand on rentre le week-end, ça soit tout clean. Donc ça c'est dans le programme de cet après-midi. Pour ma tenue du jour, j'ai un crop top. C'est un haut à manches longues que je mets souvent en dessous des pulls. On n'oublie pas que je suis quand même malade. Je ne suis pas folle, je ne vais pas sortir comme ça. J'ai un autre pull après, mais je voulais vous le montrer. C'est un petit top de chez Bershka. Bon, il date. Ensuite, en pantalon, j'ai un JD de London. Comme ça. Très cool. Là, en l'occurrence, j'ai mes chaussons Hug que je saigne quand je suis à la maison. Et je sais pas encore quelles chaussures je vais mettre. Probablement des Adidas. Voilà. Et pour le pull, je vais mettre un col roulé. Alors franchement, la marque, je ne connais pas. Ça, voilà. Comment ça s'appelle? Silence plus Noise. Ce pull a une histoire quand même. En fait, c'est le pull d'une ancienne copine. Genre une meuf avec qui on s'aimait beaucoup et il n'y a pas eu grande raison pour laquelle on n'était plus amis. Mais juste, on s'est complètement perdu de vue. Genre totalement. Et en fait, je suis restée avec un de ses pulls et elle avec un des miens. On s'est jamais plus revu après. Et en fait ce pull qui est très cool, il est bien plus cool que le mien, mais le mien il avait une valeur sentimentale, donc on est kiff kiff je pense. Après je suis pas sûre qu'elle le porte, mais du coup ce pull je l'ai prêté à ma meilleure amie qui habite à Montréal. Et en fait il a vécu à Montréal des années et quand j'y suis retournée en février, elle me l'a passé, elle me l'a rendu. Donc il a voyagé le pote. Du coup là je vais sortir, j'ai pas pris de café, j'en prendrai un tout à l'heure quand je ferai du montage. Mais en gros le programme c'est, je vais me faire dépister. Je vais me faire tester, on sait jamais. Je vais aller acheter de quoi manger au déjeuner et je vais passer aussi à mon auto-école parce que hier ils ont ouvert le programme de janvier et j'ai oublié de passer programmer mes heures. Du coup je vais faire ça avant qu'il n'y ait plus de place, comme ça je passe mon permis au plus vite. Vraiment j'ai trop hâte d'avoir le permis, rien que pour me dire que je peux me faire des vidéos dans ma voiture. Bon je vais peut-être pas m'acheter de voiture de suite, surtout à Paris pour l'instant c'est pas la peine. Je sais pas, faire des petites aventures, partir tchouk au volant. J'ai qu'une envie, c'est d'avoir mon permis pour faire des vidéos YouTube dans une voiture. That's it. C'est my only goal. Genre super la meuf. Merci les objectifs hein. Bon allez j'y vais parce que j'ai déjà du retard sur mon programme. Donc voilà. Bonjour. Ça c'est pour faire un test. Merci. Covid s'il vous plaît. Au revoir. Faut que je m'assoie pour cet événement là, ça va pas du tout. Bon déjà qui l'eût cru, j'ai acheté des masques parce que je pouvais pas aller faire mon test sans masque. J'ai reçu les résultats, j'ai ouvert, j'ai pas regardé, je me suis dit je vais peut-être l'ouvrir en caméra. J'ai des courbatures, vous savez même pas. Je peux plus me les entendre les ouvriers d'en face. Enfin je sature depuis le premier jour mais là c'est too much, enfin on va pas me niquer hein, voilà disons les termes. On va pas me niquer mes vlogmas juste pour une putain de façade qui était très bien de base. Bon bref, j'ai les résultats. Voir le certificat. Yeah, je suis négatif. Ça c'est une bonne nouvelle. Ah yes. En vrai, fou la flemme. Fou la flemme d'avoir le Covid pendant les vlogmas. Genre non, je me déterre les gars. Je suis chaud. Chaud à 100% pour être là, pour être présente sur YouTube. Et c'est quoi? Tous mes plans vont être annulés parce que j'ai le Covid? Non, non, non. Bon, certes, j'ai peut-être une petite angine. On va regarder si l'angine, c'est contagieux. Je crois que oui. Angine contagieux? Point d'interrogation. L'angine, le plus souvent d'origine virale, est contagieuse. Des mesures simples permettent de limiter la transmission du virus ou de la bactérie. Lavez-vous les mains, gel hydroalcoolique. Bon, on les connaît, ces gestes. Je vais me laver les mains, il n'y a pas de souci. Pour pas contaminer les participants au week-end Normandie. Vous inquiétez pas, je vais faire attention. Je vais envoyer un message à mon cousin. Ciao bambino. Et je te fais un petit vocal parce que je suis malade. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que je me suis fait tester et que je n'ai pas
Le Covid. J'ai acheté des bagels. Faut que je finisse le saumon avant de partir en week-end. Un gel douche, parce qu'on en avait plus. Et ça, vous savez, c'est pour enlever les peluches. Parce que j'ai un manteau en fait avec cette écharpe là. Je l'adore, mais elle en fout partout. Je m'excuse encore une fois de ce bruit infernal. Hein. Je peux rien faire, sinon je fais pas de contenu. Donc ce manteau là. Oh, catastrophique. Oh, l'angoisse. Ah, l'angoisse, ça me dégoûte. Non mais allô, dégoûtant. Je vais me mettre au montage parce que moi faut que je vous poste une vidéo cet après-midi et le montage est loin d'être terminé. Donc on va s'y mettre. Je vais me faire mon café. J'ai encore rien dans le ventre depuis ce matin et il est 11h. Cette maison depuis genre 10 ans. Oh les gars! Réaction à chaud. Bah, ça me rappelle mon enfance. On est venu 3 fois, mais ça nous rappelle notre enfance. Oh, je les voyais tellement plus grands, les escaliers! Ah, bah oui. Oui, j'étais tout petit! Oh les souvenirs! Choqué les souvenirs. Est-ce que le carrelage, c'est un carrelage de type normand? Parce que moi, j'ai pas trop l'impression. Hein. C'est pas très normand ce carrelage. T'es architecte normand toi? Écoute, c'est un peu mon dada l'architecture. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas la machine à raclette par hasard? Mais non. Machine à fondu. Mais non. Ah oh, c'est un double plaisir. C'est ça, c'est plus. C'est la surprise du chef. Il est de toi. Oh c'est toi. C'est une salle d'eau. C'est vrai moi avec moi ça. Énorme. Oh cette photo de Ibitsu. Oh c'est horrible ça par contre. Une fois dedans elle est bonne. À côté de la photo des enfants en plus, c'est pas terrible. Nous on est là. Ouais, nous on monte là-haut. Apparemment les escaliers font peur. Moi j'ai pas un souvenir de peur. Non, ça c'est une autre chambre. Bah ouais. C'est là les escaliers. On dirait pas, mais c'est là-dedans. Et les genoux. Et voilà. Ça ce qui vient, c'est que le soir tu vas pouvoir faire peur. Non, c'est hors de question. Je vous présente mon nouveau pote du séjour. Et là, son cousin là-bas. Là, c'est là qu'il faut que je joue. J'espère que vous allez vous abonner au pseudo de Cléo parce qu'il est quand même assez intéressant. Là, c'est que le début. Retenez ça. You know that I wanna be good for you. You know that I wanna be good for you. I do. But sometimes someone was bad for me. Sometimes someone was bad. Oh, can't you see? I'm just being weak. I think you know that I care for you. I think you know that I care for you. I do. But sometimes I can't be there. Allez, on part au mini golf. Nous sommes samedi, premier jour complet de notre week-end. Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez l'entendre surtout, je n'ai plus de voix. On a bien fait la fête hier, on s'est couché très très tard. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas couchée aussi tard. Mais c'était très sympa. On va se faire un petit mini golf. Et ce soir, c'est soirée raclette. On est bien couvert quand même. Je vais éviter d'aggraver mon cas. Je crois qu'on a 3 nouvelles arrivées ce soir. Cet après-midi, c'était soit mini golf, soit karting. Sauf que, avec tout le monde, un peu un gueule
de bois. Personne n'a envie de bouger et skier là-haut là. Du coup, karting, c'est probablement l'activité de demain. J'ai hâte de voir la mer aussi. J'espère qu'on va passer devant. Ouais, c'est devant. C'est devant la mer. C'est vrai? Ouais, je crois. Putain, on va s'écailler. Faut être déter là, mini golf avec cette température. On a fini le déjeuner, c'était un délice. Et dans une heure, il fait nuit. C'est le fun. Ouais, j'ai froid. Hein. Ressenti 3000. Ressenti 3000. We just colliding and we keep on fighting, but we'll be okay cause we got unconditional love. Sometimes we're just crying, but we'll keep on trying. I know we'll be okay cause we got unconditional love. Bon, finalement on n'a pas fait de mini golf, il n'était pas praticable. Tu m'étonnes en vrai. Du coup on a pris un petit thé et un petit vin chaud pour d'autres. Et on sort, il fait nuit noire. Nous sommes dimanche 4 décembre et on est toujours en Normandie. Hier soir, j'ai abandonné la soirée. J'ai pas assumé du tout, donc je suis allée me coucher. On allait se coucher un peu tôt. Enfin, tout est relatif, mais par rapport aux nouveaux arrivants qui sont restés faire la fête un peu tard. Mais du coup, ce matin, on est tout frais. C'est la bonne nouvelle. Je retrouve peu à peu ma voix, j'ai l'impression. Aujourd'hui, au programme, il y a un potentiel karting qui est prévu. Du coup, on va voir qui est chaud et si c'est possible aussi. Normalement, on se fait un petit resto pour le déjeuner. Très sympa. Je sais pas où on va aller, où Vincent va nous emmener. D'ailleurs, je vous ai jamais trop fait les présentations de qui il y avait au week-end. Mais du coup, on est dans la maison de vacances de mon cousin, Germain. Et on est avec mon copain, mon frère... mon cousin issu de Germain et sa meuf, et un pote de Vincent, mon cousin. Et il y a trois nouveaux potes de Vincent qui sont venus hier soir. Voilà, pour vous donner un peu de contexte, tant qu'il est encore temps, à voir si avec les ressemblances vous trouvez qui est qui. Du coup là on a rangé toute la chambre, on est en train de ranger, enfin d'aider Vincent à ranger la fin, parce que Vincent a été un excellent hôte. On a pas eu à faire grand chose ce week-end, donc c'est quand même pas mal le luxe. Merci Vince. On va calmement attendre que tout le monde se réveille. Moi je vais en profiter pour faire un peu de montage. Très contente de cette petite escapade normande. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue, donc ça m'a fait très plaisir. Le karting est fermé. Vraiment, zéro activité sur deux. Mais petit resto au déj. On adore. Que de la gueule, hein. Que de la gueule. Allez, fais un, deux, trois. Tu fais un, deux, trois. Deux. Oh. Je savais, très bien. Yes, il y va. J'ai perdu, j'ai perdu. Aïe, 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 aïe. J'avoue qu'il y a un petit spectacle. Hein. Oh, dimanche, c'est classé.
Oh, il a fait yes, yes. Oh là là. Beau défense. Bravo Max. Bravo champion. La pneumonie qui t'attend pour la semaine prochaine là. C'est pas possible. J'ai trop froid. Bah sans blague. Non, en vrai c'est terrible, vraiment. Bah oui. Oh là là. J'ai trop.